Et là, ça c'est contrôler l'Assemblée provinciale. Vice-gouverneur, le gouverneur, je gère ma vie, mais il est sanctionné. Tout le monde est pour gérer ma vie. IGF, à l'inguette. Nous avons dit que Moutouana a un compte parallèle. Moutouana a détourné mon. Yo, aux autres, tout été. C'est que complicité, Zali. Alors que nous avons tout ça, nous avons dit que FCC a un cash. Il a tout ça dans la politique. Donc, il a dit que l'Union sacrée, ils ont bisqué à ma valeur. Ils ont bisqué à ma chef de l'État, n'a pas une volonté de me faire. À quelques mois, l'élection, qui n'ont pas côté les autres, c'est que l'année. Est-ce que vous travaillez pour le compte de chef de l'État? Est-ce que le président de l'Union sacrée ou non? Il y a dit que Ngobila. À ce dernier image, il y a chef de l'État à Kinshasa. Donc, démarche, tout ça, il n'y a pas toujours besoin de pouvoir contrôle sur lui. Contrôle politique, contrôle administratif, contrôle même juridique ou judiciaire sur lui. Ben, exercer, nous sommes là-bas, tout est clair. On va revenir à tout ça à la mission. C'est un peu ça, rôle toujours joué dans la minute. Merci. On est en train de combattre le bandit en haut. Le bandit, c'est quoi? Le bandit, c'est qu'on a combattu, on a le bandit, c'est quoi? Bamou bato lo bandi be biso ce que peuple ba yike to telemi pour na ko lo ba makamba o très bien oui ba yike to telemi siko yo to bandi le loa wa ti to kene nango bo eza la pete eza la te to so ko bino bo sali makanisi na ko kanisa ko sala yango eza la te lobby to disifara yango le susu parfois ba ke ba corrompre bino bo zipe mbon pa ko ngobila makasa na corruption. Il y a une corruption. Pourtant, les députés ne sont pas appuyés. Ils ne sont pas appuyés. Vu les trop salités, tous les carnivores sont salités, tous les places sont salités. Les jeunes sont là. Ils ne sont pas appuyés. Ils ne sont pas appuyés. Après, ils ne sont pas appuyés. 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 Pour que tout ça soit déclaré, pour tout le monde en fait la sexualité, parce que je ne souffrir. Car au niveau, il y a 300 personnes, 300 jeunes. Quand on a 300 jeunes. Pour que je place mon père, ça va monter mon fils. Je vais se retrouver, mais vu l'état de saleté, toujours toujours que les gens ont. Combien de personnes vont aller en Angobila? Mais ils vont aller en Angobila. Bon, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Tout ça, c'est quoi? Pour que tu retournes à Binou, Binou ne va pas diriger. Le jeté. Le jeté. Le jeté.
provincial. Il 14 ans, attends mon tuté. Autorité T, secrétaire T, on doit refuser réception de documents à Zaté. Échec, 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 échec
d'action d'un collectif de citoyens. Non, c'est pas des pots. Nous sommes venus au cabinet du gouverneur. Le cabinet, c'est ici. Nous avons le document. Bonjour. Bonjour. Sérieux. Et nous, comme étant citoyens comme Quinois, nous sommes dit, exerçons une liberté publique, un droit fondamental, reconnu par l'article 27 de la Constitution. Nous avons récolté plus de 5000 signatures des Quinois qui veulent avoir des comptes sur la gestion de la ville, notamment sur la gestion du projet Zando, la gestion de Kimbopeto. Il y a le soupçon sur les impayements des agents de l'hôtel de ville, cabinet comme administration, et le gouverneur ne rencontre à personne. Vous êtes ici, vous êtes de la boîte, vous savez qu'il y a des accusations sur les agents. Vous reconnaissez ces problèmes. Mais comme il n'y a pas de mécanisme de contrôle officiel, nous comme étant des citoyens qui nous sommes organisés... Il n'y a pas un mécanisme de contrôle, alors le Parlement qui fait... Voilà, le Parlement juste là, vous êtes là. Il n'y a jamais eu, un contrôle parlementaire sur la gestion de Mobila. Aucun. Aucun. Oui. C'est la faute de qui? Voilà, nous sommes des Quinois, nous sommes dit... Comme ce mécanisme, le souci, nous avons notre pétition ici, du Mont signé, que nous devons déposer au cabinet du gouverneur. Parce qu'il a l'obligation de nous répondre dans le délai constitutionnel. Ok. Si vous avez besoin de déposer des documents, le secrétariat du gouverneur est opérationnel. Mais la personne du gouverneur et ses membres ne sont pas là. Si vous pouvez déposer les documents, je peux vous faire entrer vous avec votre document au secrétariat. On accuse réception et puis vous retournez. Merci de m'aider, de me faire aller. Vous et celui qui va transporter les documents, là nous acceptons. Ok, il va faire quoi? Vous attendez bien pour ce que ça va. Babu, va te comment aller, je vais aller.
Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers abonnés, chers internautes, nous sommes ici à l'hôtel de Kinshasa. Nous sommes là avec un comité d'enquête, vous allez vous faire la baïque. Nous sommes à l'hôtel de Kinshasa, vous avez dit, pour déposer mes mots dans ce projet par rapport à la situation. Est-ce que vous avez compris au niveau de la ville de Kinshasa? Si les lots n'ont pas le tournoi, attend la mort. Et l'autre, toujours comme jusqu'au jour d'aujourd'hui, un d'abord, contraire les ânes, il y a qui contraire Nini, parce qu'il n'y a pas de banane, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de Nini. Il y a une démarche, tout surtout que le citoyen, le jeune qui nous vivons dans Kinshasa. Et puis, deuxièmement, et l'autre, quand vous avez dit, c'est Kinbopeto, vous avez assainissement à la vie. Vous avez dit que Pécheco, Pécheco, maintenant, pour finir au moins, 40 millions de dollars pour un apostol entretien la ville de Kinshasa. Mais depuis ma tribution, on a sous ils ont un accord d'hôtel de ville. Mais Kinbopeto, mon conseil, mon capiment, à quel abandon pour ne pas inaugurer Kinbopeto. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on soit suite à Kinbopeto, la ville de Kinshasa est très sale. Très sale, même insupportable. Vous voyez ma tête, entraîner la ville de Kinshasa. Et troisièmement, et donc on craint, l'assemblée provinciale, un pays mais la ville de Kinshasa, vous colobatez, colobacoutez. Donc on a la structure, nous sommes trois villes de Kinshasa dans la Kanango, on a déjà un colobatez. Et là, on est au cas où mais vous voyez, vous que mon Zali, vous avez dit que vous avez dit est-ce que ceux qui vont aller au Salanzela, c'est là un pêche qui a foutu la bataille. C'est le plus grand chose. Ou soit, ce sont des responsables qui sont en train de travailler, il ne faut pas nourrir une famille là-bas. Oh, le chef de l'État, il y a des jours, il n'y a pas prôné ma valeur et la bonne gestion. Mais jusqu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est sous mes gestions. Et plus grave encore, Mobila a quelque chose d'assemblée provinciale en otage. Pas aucun contrôle. Oui, les 5 amis, la constitution de l'Assemblée provinciale est allée au seul organe pour contrôler le gouvernement de la ville. Soit qu'il va bien dire ce gouvernement pour contrôler même l'Assemblée provinciale. Au moment où il y a toujours des scénarios. Un, ne rendez-vous pas, mais
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général de la Cour constitutionnelle, Monsieur le premier président du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près de la Cour des comptes, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, à Monsieur l'inspecteur général des finances, tous à Kinshasa. À son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, concerne pétition collective contre le gouverneur de la ville de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, le collectif des citoyens congolais vivant à Kinshasa vient respectueusement vous adresser une pétition conformément aux dispositions de l'article 27 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour sur la gestion de Kinshasa depuis votre élection de juin 2019. En effet, il se constate que depuis votre avènement à la tête de la ville de Kinshasa, qu'aucun contrôle parlementaire ou administratif, fantaisiste soit-il, ne s'est opéré sur votre gestion de la chose publique. Moins encore, un simple bilan à mi-parcours, ni à l'égard de vos électeurs, ni aux électeurs de vos électeurs. Raison pour laquelle un collectif de citoyens congolais, particulièrement quinois, souhaite, par le souci de rélevabilité des gouvernants envers le gouverné, en savoir un peu plus sur le soupçon d'opacité dans la gestion de plusieurs dossiers et de mauvaise gestion des finances publiques dénoncés par l'ancien vice-gouverneur Néron Boumou, puis le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godem Poy, et enfin la dénonciation de votre vice-gouverneur actuel, Gérard Mourumba. Dans le souci d'élever l'équivoque de tout soupçon sur les différentes dénonciations de vos collaborateurs directs, à l'instar du vice-gouverneur, du président de la première institution urbaine, à savoir l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et de plusieurs citoyens, le collectif estime que vous devez éclairer l'opinion publique dans le cadre d'un contrôle citoyen, gage de notre jeune démocratie et de l'état de droit, cheval de bataille de son Excellence
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Engagé pour la défense de la bonne gouvernance de la ville de Kinshasa, le collectif vous prie de bien vouloir faire la reddition des comptes sur le dossier suivant. La gestion du marché de Kinshasa, le non-paiement des membres du gouvernement provincial, voire la réclamation de l'ancien ministre provincial Tiengé Lito et des agents de l'État au service de l'hôtel de ville de Kinshasa et de certains services publics provinciaux, à l'instar de la Déjarta. L'existence des supposés comptes parallèles et du projet phare Kinbopeto, pour ne citer que cela. Ainsi, nous signataires de cette pétition, jouissant d'un droit constitutionnel tiré de l'article 27 de la Constitution du 18 février 2006 qui régit le contrôle citoyen, venons honorablement auprès de votre autorité pour avoir des réponses claires sur le fait suivant. L'état des lieux du marché central de Kinshasa, ZAN. 2. Le compte parallèle créé pour des fins personnelles. 3. La paye par l'hôtel de ville des agents fictifs. 4. Le clientélisme dans la gestion de la ville. Et 5. La gestion de la salubrité Kinbopeto. Tout en espérant avoir les réponses dans un délai raisonnable, les pétitionnaires tiennent à vous informer que durant les 3 mois qui vous sont accordés par les constituants pour vous répondre, les activités seront organisées chaque 7 jours à compter du jour du dépôt de la dite pétition en guise et suivie jusqu'à l'obtention de votre correspondance. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, l'expression de notre considération patriotique. Kinbopeto est payé de l'eau 12 mois. Baja hôtel de ville Rokozali Komona Awa, impayé. Batu ya cabinet à Yemoro gouverneur, impayé. Ba ministre provincial, impayé. Ba député provincial, impayé. Batu ya DGK, impayé. Gouverneur à la ligne pour vous. Nous devons tourner à Zahil Naïti. Pourquoi la mission batu ça la part? Y'a un an n'ingi sa tozi lelo. Totu nié. Aïe bisa piso. Ni ne savez pas le cas clairement. N'engagez ni battu pas celui que vous tamatez. N'engagez ni qui ne bopète tout. Et ça, la macalisse soudée. N'engagez ni battu pas ça, la gana qui ne bopète tout. 12 mois. Hello. Bado vous tamatez. Vous savez ça, la man n'engagez. Soka soko kate ati kabiso. Kimia. Soka soko kate ati kabiso. Kimia. Quoi? Les alliés de marche politique. Oui, tu salais l'île, les alliés droit constitutionnel. Article 27 de la Constitution. Mais Mikolo Mikoya, tu as tout dans la Union sacrée. Parce que tu as vu que FCC, Naka, Chekabonaka, Mikolo Mikoya, tu as dit incontrôlable. Tu as dit que 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 tu as dit président Mia, Union Sacrée, pour Kambami, le président Mbosso, le président Bahati, le SG Kabuya, le président Kamere, le premier ministre Samba Lukonde, parce qu'on a saisi par Bissot. Pour que les gens ne soient pas les gens. Ils sont bons. Merci beaucoup, la présence de Bissot. Merci. Mama.